La radio numéro 1 à Menton. Ah, je kiffe. 99.8. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 9h pile. Qu'on prépare le coq, qu'on lui passe de l'huile de coco sur le dos, qu'on le masse et qu'on le fasse chanter. À propos de coq, juste après les infos, je vais vous faire écouter une poule. Pas n'importe quelle poule, une poule qui joue du piano. Quelqu'un a fait un morceau avec une poule qui joue du piano, l'a filmé en vidéo. Oui les amis, le monde avance. Alors ça, c'est pas grâce à nous, mais non. Il avance. Et nous on court derrière comme des cons à écouter les poules qui jouent du piano. Ouais. Voilà. Ça s'essouffle, mais à coup pas, ça arrive aussi juste après les infos maintenant. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, après une journée d'hier bien grise et plutôt fraîche, le soleil fait son retour aujourd'hui sur la Côte d'Azur en faisant à nouveau prendre un peu plus de hauteur en mercure. Il va faire jusqu'à 22 degrés et seul un voile de nuages devrait faire son apparition d'ici la fin de ce vendredi. Ce matin, on a relevé 14 degrés à Menton, 15 degrés à Monaco, 13 degrés côté Italie à Vintimille, 8 degrés pour Sospel. Et la météo n'est malheureusement pas aussi calme partout que chez nous. Plus de 2 millions de personnes évacuées, un plan d'urgence, l'armée mobilisée. Les États-Unis se préparent au pire ce vendredi. L'ouragan Matthew arrive par le sud-est du pays. 4 États dont la Floride sont particulièrement concernés. La tempête a déjà fait des ravages en Haïti. Le dernier bilan s'élèverait ce matin à plus de 300 morts. Mieux vaut ne pas avoir le vertige. Le Vista Palace, hôtel 5 étoiles accroché à une falaise à Roquebrune, va entamer sa réhabilitation l'an prochain. D'ici là, les travaux de confortement de la falaise sur laquelle il s'appuie viennent de commencer. Racheté par des investisseurs qataris, il devrait accueillir ses premiers clients en mai 2018, juste avant le Grand Prix de Monaco et donc après avoir été métamorphosé en passant de 7000 à 9000 mètres carrés. Dans l'actu également, un mot de justice, un ressortissant russe résident de Beausoleil va aller 5 jours derrière les barreaux pour avoir voulu passer nuit à Monaco. C'est un peu cher payé, me direz-vous, sauf qu'il était interdit de territoire. Pour ne pas arranger son cas, lui et sa compagne étaient un peu imbibés d'alcool. Il avait déjà aussi été condamné pour une affaire du stupéfiant dans la principauté. Le foot, le retour des Bleus au Stade de France. Ils n'ont plus joué à Saint-Denis depuis la finale perdue de l'Euro contre le Portugal en juillet. Ils redescendent sur la pelouse ce soir face à la Bulgarie. C'est un match qui compte pour la qualification mondiale 2018. Le coup d'envoi sera donné à 20h45. La Roca Team, elle est face à Chalon-Reims. Coup d'envoi de la troisième journée de Pro A ce vendredi avec un adversaire dont il faudra se méfier. Si les Rouges et Blancs l'ont emporté à 2 reprises en dernier face à cette équipe, depuis il y a eu un peu de ménage de fait et de nouveaux joueurs sont venus renforcer l'effectif. La semaine dernière, Chalon-Reims l'a emporté à Cholet après s'être incliné face à Antibes pour la première journée. Coup d'envoi de la rencontre à 19h. Enfin, les stars du petit écran français arrivent aujourd'hui à Beausoleil. Coup d'envoi ce vendredi du 5e festival Les Héros de la Télé. Au programme, pas mal d'animations, dont des rencontres publiques. Et il y aura du beau monde. Jean-Baptiste Monnier, Roby Ashkenazi, mais aussi Brian Tressot, Grande Lawrence, Renaud Roussel et Alexia Degrémont de Plus belle la vie, accompagnés d'autres comédiens de la série, mais aussi Clément Brun, Dominique Fro, Jenny Delpino, Romain Drouet et quelques dinosaures du petit écran comme Daniel Prévost et Margie Lalonga. Tout le programme, toutes les infos sont sur villedebeausoleil.fr. Voilà pour votre actu, il est 9h03 sur Énergie Monaco Menton. Bonne journée à vous, bon week-end, c'est Manu dans le 6-9. Il est 9h03, soyez les bienvenus, on est vendredi, c'est le 7 octobre 2016, et je le dis haut et fort, même si on vous dit que vous n'allez pas, c'est le week-end. Même si vous allez travailler aujourd'hui, même si vous allez en cours aujourd'hui, il suffit de changer un petit truc dans sa journée pour se dire que c'est le week-end. Ouais. D'habitude, vous allez travailler d'une certaine façon, et ben allez-y différemment. Ouais. D'habitude, vous prenez le bus, aujourd'hui, vous y allez à pied à l'envers. Voilà. Alors vous arriverez pour 14h, mais ça fait différent, ça fait week-end. On est là pour le démarrer avec vous ce week-end. Il y a tous les mois du matin, il y a Oriane, il y a Nicolas Web, il y a Glandu aussi. Bonjour. Il y a Blanchetage qui est au standard qui vous attend. N'hésitez pas à nous rejoindre comme chaque matin. 0870 42 48. Je vais vous prendre le téléphone dans 5-6 minutes, juste après souffle.
Et avant ça, ça fait quand même pas mal de temps que je vous en parle là. Nous allons maintenant écouter une poule. Pas n'importe quelle poule. On va vous mettre d'ailleurs la vidéo sur manudans69.com et sur notre page Facebook. La vidéo d'une poule qui joue du piano. Je ne sais pas comment cette idée est passée par la tête d'un mec. Ouais. Il a pris un petit piano, c'est un peu un piano d'enfant. Ouais. Il l'a mis à côté de poule. Il a mis des graines sur les touches. Il y a une poule qui est arrivée. Elle a mangé les graines, et en mangeant les graines, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appuie sur les touches, et ça fait de la musique. Lui derrière, il a rajouté les instruments, et ça donne donc le premier concerto pour poule au monde. C'est une vraie poule qui joue. On entend le mec, hein. Ajouter les trucs derrière. C'est beau. La chanson s'appelle El Picor. Oriane ? C'est mélodique. En revanche, c'est une insulte pour tous les pianistes qui prennent des cours de solfège et de piano pendant des années et qui se retrouvent battus par une poule qui mange des graines, quoi. Battu, c'est peut-être un mot fort. Mais il y a quand même un savoir-faire et là, c'est presque un hasard. Mais c'est hyper mélodique, c'est impressionnant. Bah, est-ce qu'on n'est pas en train de montrer tout simplement au monde que le solfège ne sert à rien? Elle picorait. Chauffe la poule, chauffe! Pas de trucage, hein. On voit l'image en vrai, ouais. En temps réel. Nicole Webb. Moi je pense juste au mec qui a un premier rendez-vous, tu vois. Il est au resto avec une fille, elle lui demande qu'est-ce que tu fais en ce moment. Bah moi, je fais de la musique avec une poule. Je la filme et je la mets sur YouTube. Ça peut plaire. Alors, tu prends quoi en entrée? Rien, je ne prends pas l'entrée, je me casse loin de toi. La vidéo, on vous la met sur manudans69.com et sur notre page Facebook. La poule qui joue du piano. Ouais. Je suis fier de faire cette émission pour des moments comme ça. Il est 9h06. Bon réveil sur Énergie.